Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le change entre les deux chefs d'État ici, du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. La cité de l'Union africaine, précisément dans la grande salle des réunions du Conseil des ministres, c'est le cadre qui a abrité ce jeudi la cérémonie de signature de l'avenant numéro 5 à la convention des collaborations relatives au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo. Tout a commencé par une rencontre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, avec les responsables du groupement d'entreprises chinoises, une rencontre à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement et les directeurs de cabinet du chef de l'État. Est intervenu ensuite l'événement tant attendu, à savoir la signature devant le président de la République, tour à tour de l'avenant à la convention de collaboration par le représentant du groupement des entreprises chinoises et les vice-ministres des Finances, Mme Onège Sélé, et du budget Élysée Bokoumouana, représentant leur titulaire empêché, la ministre des Mines Antoinette Samba et le ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guizaro. Pour la petite histoire, le 22 avril 2008, l'État congolais avait conclu avec le groupe d'entreprises chinoises une convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et des projets d'infrastructures à RDC, ultérieurement modifié et complété par 4 avenants. 15 ans après sa mise en œuvre, il a été mis en place sous l'impulsion du chef de l'État un cadre de renégociation conformément à l'esprit de la déclaration conjointe entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo sur l'établissement d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique avec comme objectif rétablir l'équilibre dans ces partenariats pour le rendre gagnant-gagnant. Parmi les points d'accord à la suite des renégociations, on note notamment le montant d'investissement pour les infrastructures en RDC de 7 milliards de dollars américains. Plusieurs personnalités ont assisté à la signature de l'avenant entre les membres du gouvernement et les groupements d'entreprises chinoises, parmi lesquels les ministres, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete et quelques dirigeants d'entreprises. Merci bien. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que vient de se tenir cette cérémonie solennelle de signature de l'avenant de la convention de collaboration entre le groupement d'entreprises chinois et la République démocratique du Congo. Pour replacer les choses dans leur contexte, en 2008, la République démocratique du Congo avait effectivement signé cette convention de collaboration, et à l'avènement à la magistrature suprême du président Félix Antoine Tshisekedi, il a plu à son Excellence que de revisiter cet accord afin que cette convention soit gagnant-gagnant. Il a souhaité que l'on puisse rééquilibrer les choses, et aujourd'hui, au bout des négociations de quelques mois, Nous avons abouti à cet avenant. Alors, quelles sont les dividendes de la République démocratique du Congo dans cet avenant? C'est que, en termes de chiffres, cet accord pour le domaine des infrastructures, qui bénéficiait d'à peu près 3,2 milliards de dollars, aujourd'hui, cet accord fait porter les dividendes de la République démocratique du Congo à peu près 7 milliards. Je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5000 km de route qui vont s'ajouter dans notre espace national. Ça, c'est une première dividende. La deuxième dividende, c'est une dividende économique. Nous allons effectivement, pour la partie économique, obtenir des apports financiers, des contributions financières en termes de dividendes d'impôts. En ce qui nous concerne, parce que c'était le principal objectif qu'on recherchait, c'était les infrastructures. Quand le
président est arrivé à la magistrature suprême, le constat qu'il a fait, c'était que notre économie était complètement désarticulée. Vous savez qu'on parle aujourd'hui d'intégration économique à l'africaine, mais quand vous regardez la République démocratique du Congo et vous comparez par rapport au fonctionnement de l'économie depuis l'époque coloniale, c'est que les zones de production étaient reliées aux zones de consommation et ensuite à la principale zone d'exportation qui est au fait l'embouchure du fleuve Congo et par les deux ports principaux qu'il y avait à l'époque, Matadi et Boma. Et notre économie a énormément souffert parce que toutes ces infrastructures ont été détruites, ce qui fait que nous avons sensiblement augmenté la production minière, mais l'évacuation de ces produits passe par des ports étrangers, Durban, Dar es Salaam, Mombasa. Donc, les infrastructures sont une clé pour le redéveloppement ou bien la relance économique de la RDC. Et en termes de chiffres, c'est l'équivalent de 324 millions de dollars par an pour les infrastructures, essentiellement routières. Ce sont des royalties supplémentaires pour la GECAMINE et pour l'État, équivalent de 24 millions de dollars chaque année. C'est le rééquilibrage des participations dans le barrage de Busanga. Vous savez que ce barrage de Busanga était la propriété du groupe d'entreprises chinoises à hauteur de 75%. L'État congolais, en réalité, n'avait que 10% et 15% revenait à un consortium privé. Et à la faveur de ces renégociations, l'État congolais passe à 40% et le groupe d'entreprises chinoises à 60%. On renforce le contrôle des activités de la SICOMINE par rapport à la gouvernance de la société où les Congolais n'avaient pratiquement pas un mot à dire. Aujourd'hui, la direction commerciale va dépendre d'un représentant qui viendra de la GECAMINE. On a créé deux postes supplémentaires de directeur financier adjoint, de directeur technique adjoint, pour pouvoir suivre du côté congolais aussi bien la production que les états financiers de l'entreprise. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.